YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mino 2.0, la chaîne qui rediffuse les live Twitch dans lesquels tu ne viens pas. Et ça m'attriste grandement, parce que je suis là tous les soirs, j'essaye au maximum d'être présent pour un maximum d'entre vous, et toi tu viens pas, alors que genre tu regardes cette vidéo et littéralement 30 minutes après, voire tout de suite, je suis en live. En moyenne, en 30 minutes, il y a quasiment 500, 600 vues sur les vidéos, et parmi 600 personnes qui regardent, il y en a même pas 30 qui veulent venir. Les amis, par pitié, n'hésitez pas à venir, le lien est dans la description, toujours. Aujourd'hui, les frérots, nous allons refaire une vidéo dilemme. Je sais que vous kiffez les dilemmes animés. Aujourd'hui, on en refait une vidéo de 10 minutes sur animé va nous demander si on préfère ça ou ça. Les amis, c'est parti. Est-ce que tu préfères avoir Kakashi comme sensei ou tu préfères avoir Gojo comme sensei? Gojo, mon ref, t'es un roi, mais je préfère Kakashi. Kakashi, il a la pédagogie. Non, Gojo, il est trop, non. Moi, je prends Kakashi, les gars. Kakashi, il va bien m'apprendre. Le roi, Kakashi, le roi des sensei. Le Sharingan ou le Rinnegan? Attention, en plus, c'est pas le Sharingan mélangé au Rinnegan. Hein. C'est vraiment juste le Rinnegan, pardon. Bah, en vrai, le vrai, Rinnegan. Après, le Sharingan, je trouve personnellement plus stylé visuellement. Mais Rinnegan. Est-ce que tu préfères le frère Atsumu ou le frère Osamu? Aga! Ici, ça préfère Atsumu. Le flow de Atsumu, il est grotesque. Ah non, moi je préfère Atsumu, les refs. C'est lequel des deux qui fait ça déjà avec sa main? C'est Atsumu, on est d'accord? Qui arrête tout le monde là dans la fanfare? C'est Atsumu, non? C'est Osamu? Osamu Tezuka maintenant? Ah ouais, attends, je... Attendez, je confonds peut-être en vrai. Dans tous les cas, je préfère Atsumu, mais je confonds peut-être. Atsumu, c'est le blond. Non, justement, Osamu, c'est le blond. Ah ouais, ils se sont trompés? Juré? Ok. Dans tous les cas, moi je préfère du coup, bon, c'est Osamu visiblement, mais je préfère Osamu. Je trouve il a plus de flow, mais je me rappelle plus lequel des deux du coup avait fait ça avec la main. Mais c'était stylé aussi le moment avec la main, mais je préfère quand même Osamu. Être Hokage ou être l'empereur mage? Wouah! Aga, je préfère être Hokage. Pays du feu, tout ça, Hokage, bien sûr. Pas de débat. Tu préfères avoir une mauvaise histoire mais une bonne fin, ou tu préfères avoir une bonne histoire mais une mauvaise fin? Genre, je pense qu'il parle d'un animé en général. Est-ce que tu préfères un animé avec une mauvaise histoire mais une bonne fin, ou un animé avec une bonne histoire mais une mauvaise fin? Ah, en vrai, moi je préfère un animé avec une bonne histoire mais une mauvaise fin, tu vois. Parce que la mauvaise fin, c'est genre l'histoire de peut-être aller un ou deux épisodes. Franchement, vous préférez une bonne fin, certains, jure. Après, c'est vrai que la fin, c'est quand même l'achèvement de toute l'histoire. Mais bon, ouais, moi aussi, si c'est bon juste à la fin, flemme. Hein. Vous préférez un animé ou une œuvre qui a des mauvais graphismes mais une histoire parfaite, ou un animé avec des graphismes parfaits mais une mauvaise histoire? Et... est-ce que vous préférez du coup Ranking of Kings ou Demon Slayer? Oh! Qui a dit ça? Quand je dis Ranking of Kings, c'est le manga, hein, Ranking of Kings, hein, c'est pas l'anime. L'anime est très beau. Mais franchement, honnêtement, je préfère des graphismes miteux mais une bonne histoire. Hein. Franchement, hein. Si l'histoire tu te prends dedans, c'est beaucoup plus intéressant que des mauvais graphismes. Parce que en soi, il y a beaucoup de gens qui disent ça de Demon Slayer. Devil May Cry Baby, pardon. Il y a beaucoup de gens qui disent que les graphismes sont nuls, mais par contre l'histoire elle est banger. Moi je suis pas d'accord, mais. Est-ce que tu préfères être un mangaka ou être un comédien de voix? Je préfère être un comédien de voix. Mangaka, c'est trop de pression, frère. Non, je préfère être un petit comédien de voix. Tu te fais appeler pour des rôles de fou furieux. Tranquillement, t'as tes vacances quand tu veux. Si t'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Tranquille. Je préfère être un comédien de voix. Mangaka, c'est trop de pression, les refs. Hein. C'est trop de pression, mangaka. Vous vous en rendez pas compte. Hein. C'est trop de pression. Est-ce que tu préfères rejoindre un club de volley ou un club de basket? Personnellement, en tant que sport, je suis plus intéressé par le basket que par le volley. Donc moi, je vais dire basket pour cette question. Par contre, si tu me dis entre rejoindre l'équipe de Serine ou bien l'équipe de Karasuno, en vrai de vrai, j'ai l'impression que c'est quand même plus convivial chez Karasuno que chez Serine. Avec des Nishinoya quand même, frérot. Est-ce que tu préfères avoir un alter ou tu préfères avoir des pouvoirs psychiques? Moi, je vais partir de la mesure où un alter... Ah, je sais pas. J'allais dire, j'allais partir du principe que l'alter, tu sais pas forcément ce que tu vas avoir. Les pouvoirs psychiques, t'es pas obligé d'avoir un pouvoir psychique à la hauteur de mob ou... Aïe, 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 je sais pas. Franchement, je vais prendre un pouvoir psychique. Parce que je me dis, au pire, pouvoir psychique, je peux peut-être essayer de m'entraîner et de m'améliorer, tu vois. Tu peux entraîner ton cerveau à faire des actions plus intéressantes. Mais un alter, si t'as un alter de merde, t'as un alter de merde, quoi. Genre, entraînement ou pas entraînement, si t'as un alter qui te permet juste de sortir tes yeux de leur globe oculaire, bon, tu vas pas pouvoir sauver des vies avec ça, quoi. Est-ce que tu préfères le titan cuirassé ou bien le titan marteau? Titan marteau, moi. Titan marteau, tu peux matérialiser ce que tu veux, frère. Après, j'avoue qu'il a un énorme défaut. L'autre, il doit être hors du cuirassé. Non, il doit être hors du titan marteau, pardon, j'ai dit cuirassé, excuse-moi. Il doit être hors du titan marteau. C'est juste ça qui est vraiment relou avec ce titan. Sinon, ouais, moi je préfère un marteau. Est-ce que tu préfères porter Jungetsu ou porter Senketsu? C'est dans Kill la Kill, mais j'ai aucune ref. Ceux qui savent, répondez, sinon on va passer vite. Hein. Est-ce que tu préfères que Hawk devienne ton animal de compagnie ou tu préfères que Happy devienne ton animal de compagnie? Ah, gars, Team Chat. Hein. Qu'en plus, un chat ailé, frère.
ça prend Happy. Hein. Après, Hook, il est drôle. Hook, il est drôle et il peut se transformer en giga cochon. Donc, tu te mets sur son dos, il se transforme en giga cochon. Mais quand même, Happy. Donner une autre saison à un animé qui en a qu'une seule, ou bien ramener un personnage d'animé mort de nouveau à la vie. Préférez quoi? Je sais pas, mon ref. Franchement, un personnage d'animé mort à la vie. Hein. Je vais pas dire qui je veux ramener à la vie parce que ce sera un spoil. Mais ouais, ramener quelqu'un à la vie. Hein. Est-ce que tu préfères tuer ton personnage favori dans les animés, ou tu préfères être tué par ton personnage que tu détestes le plus dans les animés? Oh lolololololol, celui-là il est pas compliqué. Celui-là il est compliqué. Soit tu tues ton meilleur personnage, soit tu te fais tuer par ton pire personnage. Ah ouais, préférez carrément être tué. De quoi il est compliqué? Ah gars, moi j'ai pas envie de me faire tuer par mon pire ennemi, frère. Personnage que je déteste, Shotoker. Vous savez c'est qui le personnage que je déteste? Shotoker dans FMA. Me faire tuer par lui? Devenir un chien chimère là? Aïe 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 aïe. Moi je l'aime bien Shotoker, mais toi t'es ravagé, frère. Comment on peut l'aimer lui? Est-ce que tu préfères être un hôte de démon à queue dont dans un Jinjuriki, ou tu préfères être un héros de classe S? Moi, je préfère avoir un giga démon en moi et être pote avec lui. Hein. Ah, frérot, être pote avec lui. Hein. Les deux, c'est une malédiction. Pour le héros de classe S, soit tu as des infos que nous n'avons pas, soit on n'est pas d'accord. Non, Shinchuriki. Hein. Préfère le One for All ou le Full Counter de Meliodas? Est-ce qu'il y a débat? Non, je ne pense pas. Je préfère le One for All, en fait. Enfin, à ce stade. Enfin, surtout que le One for All, il t'apporte un avantage encore plus haut que juste avoir un alter à ce stade, je pense. Est-ce que tu préfères les sous-titres ou les doublages? Donc là, si je comprends bien, est-ce que tu préfères la VOSTFR ou la VF en fait? C'est ça en fait que je suis en train de me dire. Donc, tu préfères version originale sous-titrée français ou la VF? Moi, oh, VOSTFR. Hein. Dans la majorité des cas, VOSTFR. Est-ce que tu préfères mourir mais sauver un ami, ou tu préfères survivre mais perdre un ami? Aïe, 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 aïe. En vrai, c'est dur de vivre avec la mort d'un pote. Je pense que je préférerais survivre hein, quand même. Hein. Allez, je survis. Je survis. Tu préfères avoir Levi comme garde du corps, ou bien avoir All Might comme garde du corps? Bon, il y en a quand même un. Mon frérot All Might, vient me protéger, quoi. Viens me protéger. En plus, j'avoue, All Might plus souriant, plus sympa. Levi, bon, il est fort, mais... Est-ce que je préfère être dans l'univers de One Piece ou dans l'univers de Fairy Tail? Laissez-moi voir la pluie qu'il va y avoir dans le chat. En vrai, de vrai, moi, je vous le dis honnêtement, hein, je préfère être dans un monde avec des guildes, avec des chats qui volent, avec des pouvoirs magiques. Je préfère être dans ce monde-là que dans un monde où on est sur les mers tout le temps. Flemme de ouf. Mal de mer en plus, non, flemme. Est-ce que tu préfères donner à Light ton vrai nom, ou tu préfères tuer Yuki devant Yuno dans Mirai Nikki? Je pense qu'il faut avoir vu Mirai Nikki pour répondre. Donc, je suppose que si tu tues Yuki devant Yuno, genre, elle pète un plomb et tu te fais niquer. En vrai, de vrai, je pense que je préfère tuer Yuki devant Yuno parce que t'as toujours quand même une potentielle échappatoire. En soi. Alors que Light Yagami, à partir du moment où tu te donnes ton nom, c'est fini. Il a le droit de vie ou de mort sur toi à n'importe quel moment, c'est fini. Non, Yuno, elle va pas me détruire, je vais courir très vite. Oh non, l'éternel débat. Pour toi, Saitama est plus fort que Goku, ou pour toi, Goku est plus fort que Saitama? Oh non. Oh non, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas. Je souffle sur ce genre de débat. Je ne répondrai pas. Je ne veux pas répondre. Laissez-moi en paix. Est-ce que tu préfères être seulement capable de lire des mangas, ou être seulement capable de lire des animés, enfin de regarder des animés sous-côté? Enfin, pas vraiment sous-côté, mais genre non connu, toi. Pas trop connu. Moi, franchement, animé. Manga, pardon. Manga, tu peux découvrir toutes les œuvres, frère. Alors que les animés, t'es obligé de regarder des animés qui sont pas connus, genre. Qui sont pas trop trop connus, genre. Et de manquer les masterclass qui sont connus. Et mais des mangas, tu peux découvrir toutes les œuvres. Même si je suis plus animé que manga, je manga, frère. Tu préfères être dans un animé d'action ou d'aventure, ou bien d'être dans un animé de romance slice of life, une tranche de vie? Bah, en vrai de vrai, soit t'es dans un animé où t'as une chance de mourir, soit t'es dans un animé où t'as une chance de pécho. En gros, c'est ça. À toi de voir. Moi, j'ai vraiment pas envie de crever, donc je vais préférer rentrer ma bi... Hein? Ok, tu préfères un animé avec une dizaine d'épisodes, ou un animé avec une centaine d'épisodes? Là, c'est mitigé, en vrai de vrai. Moi, je sais pas. J'aime bien les animés courts, mais même si j'aime bien, il y a toujours un sentiment de... Ça aurait pu aller plus loin. À part Erased. Erased, j'ai trouvé ça bien timé, en vrai de vrai. Mais je trouve que, ouais, de manière générale, dans les animés où il y a une dizaine d'épisodes, t'en veux toujours un peu plus. On va voir, le chat! Préférez des sites légaux ou des sites illégaux? On va voir, le chat! Hein? On vous regarde! Ah, maintenant ça dit légal, hein? On va voir! Vous savez que là, Adopi, il est en train de regarder le live, il écrit tous vos noms. Tous vos noms, tous vos noms, tous vos noms pour trouver votre IP et vous envoyer une petite lettre. Je rigole, Adopi, ça existe plus. Tu préfères Naruto ou Sasuke? Ah, pitié, je préfère mon petit Naruto en légende. Hein. Notre petit Naruto en légende, là, les gris à gauche, là, bon. Les gris à gauche dont l'expression Dark Sasuke est devenue virale. Dehors. Osamu et Atsumu, Rin et Yukio. Ça suffit, là, les deux frères démons, fils de Satan, là. Donnez-nous Asumu et Atsumu, là. Vite, 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 vite. Est-ce que tu préfères regarder des animés avec des amis, ou regarder des animés avec ton mec ou ta meuf? Oh, avec des amis ou ton... Non, t'es obligé de choisir, dites pas seul. T'es obligé de choisir. Soit avec tes amis, soit avec ton mec ou ta meuf. Même si vous n'avez pas de meuf ou de mec, imaginez-vous, projetez-vous. Franchement, je sais pas. Parce que c'est aussi bien avec ta meuf que c'est aussi bien avec ton mec, quoi. Franchement, je sais pas. Je choisis pas. C'est trop dur. Surtout qu'en plus, si tu le fais avec ta meuf, tu vas pas regarder l'animé, tu vas pas être attendu.
attentif. Non, avec tes potes. Avec tes potes. Non, avec ta meuf, t'es pas attentif. Non, tu te concentres sur autre chose. Non. Est-ce que tu préfères être réincarné dans un de tes mondes favoris parallèles ou est-ce que tu préfères être coincé dans ton jeu vidéo favori? Réincarné, bien sûr. Coincé dans mon jeu favori, bon, ça peut être drôle, mais l'histoire de. Allez, une semaine. Réincarné dans un monde parallèle, c'est banger. C'est-à-dire, tu meurs, et après, bam, tu vis une autre vie. Non, banger. En vrai, j'ai pas envie de finir dans R6. Edouard Elric ou Alphonse? En vrai, pour moi, c'est pas si simple. Parce que les deux, je les aime vraiment d'un amour, frère. Je vais dire Alphonse. Je vais dire Edouard. Edouard, pardon. Je vais dire Alphonse, excusez-moi. Je vais dire Edouard. Edouard, parce qu'en vrai, quand même le grand frère parfait. Hein. Quand même un bon grand frère, hein, putain. Préfère avoir le pouvoir d'un bijou ou avoir le pouvoir d'un démon? Ah, les deux, c'est des démons, quoi, mais. Non, je préfère le pouvoir d'un bijou quand même. Après, tu peux te transformer un peu en animal, tout ça. Non, le pouvoir d'un bijou. En plus, le nom, il est stylé bijou. Bijou d'ama. Est-ce que tu préfères avoir Escanor comme grand frère ou avoir Broly comme grand frère? Borly maintenant? Vas-y, on va voir. Moi, je préfère avoir Broly, frère. Aga Broly, il arrive, bam, bam, bam. Ses muscles saillants comme ça. Broly comme grand frère. Escanor est plus gentil? Ah ouais? Pas grave, Broly. Ram ou Rem? Oh, mais c'est quoi ces choix? On peut pas choisir. Bon, en vrai, Rem, hein. Oh, être capable de pouvoir attraper des vrais Pokémon ou être capable de devenir un Super Saiyan. Oh là là, les deux, c'est banger. Je sais pas. Soit tu peux capturer Mewtwo, Mew, tout ça. Oh, Articodin, Sulfura, Elector. Soit devenir un Super Saiyan. En vrai, c'est dur, hein. Je préfère être un Super Saiyan. Est-ce que tu préfères mourir jeune en tant que héros ou est-ce que tu préfères vivre le plus longtemps possible pour te voir toi devenir mauvais? Qui va choisir le 2? Vous choisissez vraiment le 2, là? Moi, je vais en héros, frère. Vous voulez devenir mauvais? Juste pour vivre plus longtemps? Ah oui, c'est vrai qu'il y a mourir jeune quand même, hein. Non, je veux pas devenir mauvais, frère. Imagine, tu deviens mauvais, ça veut dire que t'es là, t'en as plus rien à foutre de pouvoir tuer ta daronne carrément. Bah oui, aga, c'est ça devenir mauvais, hein. Mauvais, tu t'en bats les couilles, hein. Non, je préfère mourir jeune en tant qu'héros, bien sûr. Asta ou Yuno? En vrai, pour moi, c'est un peu compliqué parce que Asta, il a quand même des comportements qui me cassent les couilles. Mais Yuno, il me casse les couilles avec sa froideur, là, Dark Sasuke 2, là. Mais je vais quand même dire Asta pour la détermination qu'il nous montre, pour son déterminisme, sa loyauté et tout. Je vais quand même dire Asta. Mais Yuno, vas-y, frère. A1 Picture ou Bones? Enfin, Bones. Juste Bones, en fait. Bones, MHA, Mob Psycho. Y a quoi d'autre sur l'image? Enfin, à quel moment autre chose? A1 Picture, bon, t'as SAO, si tu veux. Allez, t'as Black Butler. Allez, mais Bones, hein. Est-ce que tu préfères être aimé par ton personnage que tu détestes le plus ou est-ce que tu préfères être détesté par ton crush d'animé? Ok, moi, encore une fois, on part sur Shotoker. Je préfère être détesté par mon crush d'animé. À quel moment Shotoker, il m'aime? Dégage de là! Shotoker, il m'aime? Fous-toi ou quoi? Jamais de la vie. Je préfère que Asuna, elle me déteste, hein. Ah non, attendez, parce que c'est vrai que c'est plus Asuna, c'est Yor maintenant. Si Yor, elle me déteste, elle va me tuer. Aïe, il faut faire un choix stratégique. Vas-y, allez, Shotoker, vas-y. Enfin, Shotoker, peut-être il va vouloir me faire un boulot, mais vas-y, c'est pas grave. Est-ce que tu préfères avoir Nezuko comme petite sœur ou avoir Miyuki comme petite sœur? Je ne sais pas qui est Miyuki. Je vais pas choisir parce que je connais pas Miyuki. Est-ce que tu préfères avoir l'intelligence de Senku pour toute la vie ou avoir le Death Note pour toute la vie? Je vous ai déjà dit, moi, le Death Note, les gars, je peux pas l'avoir. Je veux pas avoir ce pouvoir de vie ou de mort sur les gens. C'est trop grave, c'est trop une dinguerie d'avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Je préfère avoir l'intelligence de Senku, frère. Non, tous ceux qui disent Death Note, vous êtes des détraqués, les gars. Est-ce que tu préfères avoir Ushijima comme Ace? C'est quoi le Ace, déjà, au volet? C'est pas celui qui fait les services? Ah, c'est le joueur star, genre? Le champion, ok. Le MVP, ok. Tu préfères avoir Ushijima en MVP ou Kiyomi? Ushijima, pour ma part. Il a un esprit de ton combativité qui t'a peur, frère. Est-ce que tu préfères avoir Mikasa comme grande sœur ou avoir Asuna comme grande sœur? Les deux, elles sont gravement, hein. Mais, je sais pas. Je pense que les deux, elles peuvent tout faire pour leur famille. C'est dur. En vrai, Mikasa, elle te protège jamais. Mais en vrai, Asuna aussi, hein. Mais je vais prendre quand même Mikasa parce que Mikasa elle est plus forte physiquement. Est-ce que je préfère les gobelins ou les orques? Je pense que c'est de manière générale moins un petit orque en légende, hein. Je vais toujours à contre-courant de la majorité, mais je prends un orque, moi. Manga ou animé? La fameuse question auquel j'ai déjà répondu tout à l'heure. Moi je suis plutôt animé, mesdames et messieurs. Les personnages qui bougent, les musiques, les doublages, ça c'est mon dada. Waouh! Est-ce que tu préfères date Ryuk ou tu préfères embrasser Yuka? Non, elle s'appelle pas Yuka. Comment elle s'appelle déjà? Suika, voilà, merci. Préfère date Ryuk ou embrasser Suika? Les gars, oubliez pas, tous ceux qui votent 2 là, oubliez pas, Suika c'est une enfant, hein. Vos conneries là. Moi, Ryuk, hein. Les gars, c'est juste un date. C'est juste un date avec Ryuk. Moi, je date Ryuk, hein. Préfère les cheveux longs ou cheveux courts? Cheveux longs. Cheveux longs ou blonds. Comme ça, tu peux tirer ça pendant la... Hein? Les elfes ou les drafts? Draft, c'est les nains, non? C'est quoi draft, les gars? C'est nains, on est d'accord? Et c'est pas draft, normalement. C'est les nains, c'est dwarf. Il s'est trompé, je pense. Est-ce que tu préfères les elfes ou les nains? Bah, les elfes, hein, franchement, pas débat. Hein. Non, Azroth. Est-ce que tu préfères les personnages loli ou les personnages cool?
Quoi, c'est des personnages cool? Donc des lolis ou un personnage cool? Petit personnage cool, hein. Loli, c'est... Ah, gars, c'est case P-word direct. Les lolis, c'est case P-word direct. Ah ouais, le FBI est là, hein. Je pense qu'il s'est trompé encore. Est-ce que tu veux être un élève à UA ou bien tu veux être un magicien dans la guilde de Fairy Tail? Élève à UA, ça veut dire que t'as un... Déjà, ça veut dire que t'as un putain d'alter. Donc... Prends l'alter. Mineta existe. Ouais, mais Mineta, il a quand même un alter utile. Est-ce que tu préfères les films d'animation japonais ou les animés japonais? Bah, moi, les animés japonais, hein, pour la simple et bonne raison que je préfère les séries aux films, quoi. C'est le même principe, hein. Certaines histoires, tu peux pas les développer dans un film qui dure en moyenne 2 heures, que, bah, en animé, tu peux. Mais j'adore les deux aussi, personnellement. Pareil. Est-ce que tu préfères les Weeboo ou les Otaku? Je ne sais pas quelle est la diff, mais choisissez le mot que vous préférez. Partons de ce principe-là, choisissez juste le mot que vous préférez. Moi, je pense, je otaku, hein. Weeboo, je pense que c'est un stade au-dessus de otaku, je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que tu préfères Toyako Bakuto ou EA? C'est Gilgamesh, non? Et c'est quoi EA? EA Sports. It's in the game. Les shonen ou les seinen? Oh, intéressant, ça. Moi, personnellement, je suis quand même plus shonen. Mais les seinen, c'est quelque chose, hein. Quand les animés, ils te parlent vraiment français, c'est quelque chose, hein. Et je suis plus shonen, quand même. Ouais, c'est dur de choisir celui-là. Hiro et Zero Two ou Kosei et Kaori? Franchement, je vais pas voter parce que j'ai pas vu Darling in the Franxx, mais j'aurais tendance à dire Kosei et Kaori, quand même. Mais je vais pas voter. J'ai pas vu Darling in the Franxx, on va pas voter. Est-ce que tu préfères les 9 piliers dans Demon Slayer ou les espadas dans Bleach? Franchement, les espadas... Les espadas, ils m'ont quand même plus marqué. Hein. Avec les Grimjo, les Lucora, non, ça m'a beaucoup plus marqué, les espadas, quand même. Hein. Ils ont un vrai flow, les espadas, en plus. Oh non... Est-ce que t'as préféré Your Name ou t'as préféré Silent Voice? Oi, le choix cornélien. En vrai, moi, j'ai beaucoup plus voyagé avec Your Name, donc je dirais Your Name, quand même. Mais Silent Voice, faut voir. Hein. Silent Voice, c'est un truc de fou furieux. Hein. Mais je dirais quand même Your Name. T'es vraiment transporté dans le monde de Your Name. Silent Voice, un peu moins, même si c'était très prenant, mais j'étais vraiment beaucoup plus dans le monde de Your Name. Est-ce que tu veux être enfermé dans No Game No Life ou enfermé dans Sword Art Online? Moi, je vais être enfermé dans SAO. Un petit Half-Fame, un petit Sword Art, un petit... Même un Gun Gale, ça me va. Même dans Gun Gale, ça me va plus que No Game No Life. Hein. Oui. Hein. Enfermez-moi dedans. Des bails de... Tu te douches avec ta soeur à poil, là. Bon. Demon Slayer ou Maïro? Bon, Maïro, vite, passez à la suite, là. Non, passez à la suite. Comment ça, Demon Slayer ou Maïro? Oh. Maïro, frère. Code Geass ou Death Note? J'ai pas fini Code Geass, donc je vais pas répondre. Mais par défaut, ça aurait été Death Note. Personnellement, mais j'ai pas vu Code Geass. Même s'il y en a qui me disent que Lelouch est plus intelligent que The Light, j'attends de voir personnellement. Tu vas dans le monde des animés ou un personnage d'animé vient te visiter dans ton monde. Tu préfères quoi? Soit toi tu vas dans le monde des animés, soit ton personnage, le personnage que tu veux, il vient dans ton monde. Préférer aller dans le monde des animés? Moi, je pense, en vrai, je préférerais qu'un personnage vienne dans mon monde. Parce que aller dans le monde des animés, c'est beaucoup plus bourbier, je trouve. Enfin, vu que c'est un nouveau monde, c'est un monde que tu connais pas, tu vas être face à des bourbiers où t'auras même pas l'habitude de savoir comment les gérer, tu vois. Donc, tu peux peut-être réussir à t'adapter, mais tu peux aussi peut-être te mettre dans la merde. Hein. Naruto à Châtelet. Ben, c'est fini, putain. Wesh, 48 minutes. Oi. 48 minutes de dilemme. J'ai même pas vu le temps passer, frère. J'espère que ça vous a plu, YouTube, Twitch aussi. On a fait beaucoup de dilemmes là, du coup on a eu qu'une seule vidéo. D'habitude, vous savez, on en fait 2-3. Je pense que je vais continuer à en faire juste 2-3 parce que là, une vidéo de 10 minutes où forcément je m'épose tout le temps, bah, ça fait au moins 4 fois plus de temps quoi. Donc c'est insane. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Mino 2.0. Mais comme d'hab, le soir de 18h à 20h30 du lundi au samedi, nous sommes en live. Donc ramène-toi, n'hésite surtout pas à venir parce que moi ça me rend triste quand tu viens pas. Ah oui.